Bonjour Margot, d'où viens-tu? Je viens du pays de Père Jouvence. Tu as de belles fleurs. Ah oui, c'est le Père Jouvence qui me les a données pour que j'offre à toutes les mamans. Tu chantais une chanson tout à l'heure. Oui, je chantais une petite chanson et j'aimerais bien que tous les petits-enfants l'apprennent pour qu'ils la chantent à leur maman. Ça, c'est très gentil. Et voilà ton papa, hein? Oui. Oui, parce qu'il faut dire que Serge Danneau, qui est nantais presque... Oui, qui s'en est exactement d'origine. Et le vrai papa de Margot, il est le papa de tous les personnages, bien et Margot sûr. Est véritablement sa fille. Ah, les deux Margot, c'est-à-dire la Margot en poupée et la Margot voix. C'est ça. Comment faites-vous votre manège enchanté? Nous employons exactement la technique du dessin animé, c'est-à-dire que nous faisons de l'image-image. Pour un film, nous faisons très exactement 7500 images. Alors, vous voyez, c'est déjà un travail considérable. Oui, ça en fait combien maintenant? Bien, nous sommes rendus au 100e film. Oui. Ça nous fait donc 7 500 000 images. Au point de vue temps, pour donner l'ordre d'importance, ça représente 2 fois Ben-Hur. Mon Dieu! Et nous n'avons pas encore terminé. Quels sont vos projets? Eh bien, nos projets, à partir du mois d'octobre, nous allons passer 13 jours par mois à 19h20 jusqu'au mois de décembre. Et nous allons certainement sortir de nouveaux personnages. Mmh. On m'a dit que votre film avait été vendu dans le monde entier. Bien sûr, il a été vendu dans 13 pays. Mmh. 13 pays différents. Oui, vous parliez de nouveaux personnages. On peut en connaître un? Oh, je peux le dévoiler justement pour les carnavaliers que je suis venu voir au cours pour le carnaval. Et le fameux personnage en question qui va venir, ça va certainement être un chat. Il s'appellera? Certainement Castor. Ah oui, ce sera évidemment un ami de Pollux. Il faut dire que nous avons la chance et l'honneur d'avoir aujourd'hui Pollux. Oui, un chat. Bonjour, je ne quitte jamais Margot. Et aujourd'hui, je suis très heureux de me trouver à Nantes. Je salue tous les Nantais. Oh, oh. Mais vous êtes ravi, sans doute, Pollux, d'avoir un ami chat, en effet. Oui, ça, nous verrons. Oui, je pense qu'il y aura certainement beaucoup de batailles entre notre ami Pollux et Castor. Vous croyez? Je crois. Ils seront certainement amis, mais certainement, entre chien et chat, il y a toujours un petit peu de bataille. Eh bien, nous avons de très beaux projets, en somme.